nous existons à peu près depuis une vingtaine d'années et comptons plus de 5000 étudiants à travers le monde. Notre particularité sur Dakar, c'est au fait d'amener l'international au niveau du Sénégal. Quand je parle d'amener l'international au niveau du Sénégal, c'est vraiment amener des programmes innovants, ça veut dire ce qui se fait de mieux au monde présentement, permettre à nos étudiants d'avoir une mobilité, c'est-à-dire commencer ses études sur Dakar et avoir la possibilité de le poursuivre à l'étranger, ramener des profs internationaux sur Dakar, que ce soit des profs qui viennent de divers horizons, à savoir l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Asie, éventuellement le Maghreb. C'est un peu pour un peu résumer, faire une école internationale totalement sur le terrain. Au lieu que l'étudiant parte à l'étranger, nous ramenons les programmes éventuellement des professeurs vraiment décalés sur le terrain. Nous avons déjà fait nos preuves un peu partout. Je pense qu'on est une école qui est née en Afrique, il faut oser le dire, en Tunisie. Et la seule qui a pu s'implanter en Europe dans de très grandes villes, notamment Paris et Bruxelles. Et vraiment, par rapport à cela, nous travaillons et avons vraiment beaucoup de collaborations avec une vingtaine d'universités à travers le monde. Et nos diplômes sont reconnus sur le plan international. Nous sommes FMD. FMD, si vous recherchez un peu sur le net, c'est l'European Foundation for Management Development qui accrédite les plus grands business schools au monde. Et éventuellement FEDE, AACSP et éventuellement European Business Council. Depuis quelques temps, nous faisons partie un peu de la convention de Bologne. Donc nos diplômes sont reconnus sur le plan international. Et il y a pratiquement une semaine, nous sommes le premier centre Cisco au fait en Afrique du Nord. Donc Cisco, c'est tout ce qui est accréditation Microsoft. Vous pouvez faire des recherches notamment sur nous, on est sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, c'est tout en groupe, éventuellement sur YouTube et j'en passe. En fait, nous avons vraiment, sur Dakar, je peux dire qu'on n'est pas dans la publicité étrangère, on dit les choses telles qu'elles sont, on est une nouvelle école sur Dakar, peut-être. Nous faisons nos pas. Et puis j'ai l'habitude de dire que nous ne formons pas les étudiants pour qu'ils aillent chercher du travail. Nous formons les étudiants pour qu'ils créent des emplois. Donc nous prenons un peu plutôt pour l'auto-entrepreneuriat, ce qui est assez différent. Parce que je pense qu'on est mieux que quand on est son propre chef. Donc nous, plus les gens pour l'entrepreneuriat. Et puis depuis quelques années même, c'est le constat qu'on a pu faire par rapport à nos étudiants. C'est vraiment des jeunes entrepreneurs qui visent un peu l'entrepreneuriat. Et puis, vu que nos stages sont assurés, que ce soit sur Dakar ou à l'étranger, mais plus à l'étranger dans la mesure où sur Dakar, on est nouveau un peu sur le réseau, mais nous offrons à tous nos étudiants des stages sur l'international. Ça, c'est assuré. Mais si à eux, on peut prendre en charge leur billet d'avion. Mais quand même, il faut savoir que c'est des stages rémunérés. Et puis, toujours avec, comment dirais-je, la mobilité de nos étudiants, comme je l'ai dit tantôt, ils peuvent commencer sur Dakar, faire première et deuxième année sur Dakar, poursuivre la troisième année, soit en France, soit en Belgique, soit en Tunisie. Donc, ce qui leur offre un peu des opportunités sur l'international. Donc, nous travaillons aussi sur Dakar, au Sénégal, particulièrement en Afrique, avec des entreprises qui nous permettent un peu de placer nos étudiants en stage. Coaching gagnant, je pense que EHE, c'est, je peux dire maintenant, depuis quelques années, nous avons un très bon partenariat. Donc, via leur plateforme, via vraiment les activités qu'ils font et qui encourage un peu la promotion de la jeunesse, ce que je pense assez intéressant. C'est une équipe vraiment qui est jeune, dynamique et vraiment qui prône un peu pour encourager les jeunes à évoluer dans l'entrepreneuriat, dans la formation. Donc je trouve déjà le partenariat vraiment très intéressant et c'est un partenariat win-win comme le disent un peu les Américains, c'est un partenariat
que j'encourage vraiment. Et puis je pense qu'on sera, on sera là encore avec cette équipe qui est jeune et dynamique pour d'autres, on a l'habitude de dire, d'autres défis à relever. Je remercie cette équipe qui est passée pour cette interview. Je remercie Coach Team Gagnant pour éventuellement leur mission et le dynamisme qu'ils ont pour encourager les jeunes en leur offrant vraiment des facilités d'insertion, des facilités pour trouver éventuellement des stages, des écoles de formation. Et je pense vraiment que c'est quelque chose, surtout dans la société dans laquelle nous trouvons, avec certaines familles qui ont un peu de difficultés. Nous ne sommes pas souvent, je le dis, une école qui offre des bourses en général, et je le dis devant les caméras, parce que nous prenons un peu pour la qualité de la formation. Mais j'avoue quand même, ils ont su nous convaincre pour vraiment offrir un